pour discuter avec Virginie, va aller vers un théorème de Pythagore, par exemple. Céline, je me demandais pourquoi tu t'es inquiétée du théorème de Pythagore. Parce que le théorème de Schlück, il n'est pas dans les programmes scolaires, alors que le théorème de Pythagore, oui. Et on se dit que s'ils ne savent pas ce qui est dans les programmes scolaires, on s'inquiète pour eux. Mais c'est pas apprendre pour le savoir, c'est apprendre pour se conformer au programme scolaire, en fait. Parce que je ne crois pas qu'on s'inquiète trop pour ce qu'ils ne vont pas apprendre, qui n'est pas dans le programme scolaire. Voilà. Il y a plus de choses que je ne sais pas que de choses que je sais. Toute la question est de savoir, est-ce que j'ai besoin du théorème de Pythagore, moi, pour vivre heureux et bien ici et maintenant ? Parce que si je m'inquiète du fait qu'il ne va pas connaître le théorème de Pythagore, je crois que je peux m'inquiéter. J'ai de meilleures raisons de m'inquiéter de tout ce qu'il ne va pas connaître et qui va être. On ne peut pas le mesurer. Je pense que j'ai meilleur compte à m'intéresser de ce qui lui est utile à ce moment ici et maintenant pour être heureux, tout simplement. Mais c'est selon le métier qu'il va faire ou selon les... Je ne sais pas s'il va construire une maison, peut-être qu'il aura besoin de le connaître, et à ce moment-là, ça aura du sens. Mais l'apprendre comme ça, pour le cas où ça lui servirait dans sa vie, franchement, oui, ça m'a servi peut-être une ou deux fois, oui. On apprend le théorème de Pythagore aussi, peut-être pour faire marcher les neurones, et puis un jour, on ressort quand on en a besoin, mais je ne suis pas sûre qu'un enfant est apte à savoir ce dont il a besoin... À 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il n'est authentiquement, véritablement pas capable. Voilà. Et si je considère qu'il est capable ? Ben, à mon avis, il le sera. Il l'est, quoi. On est très surpris hein, par les possibilités des enfants. Si l'étude montre qu'il peut cela ou ceci, je peux vous confirmer qu'il peut cela ou ceci. C'est surprenant. Hein. Dire qu'un enfant ne peut pas ceci ou cela... C'est moi qui le dis. Et en le disant, je le fais. Je le fais être. Parce que il y a comme ça plein de normes, de choses qu'on ne fait pas ou qui ne doivent pas se faire. Et puis quelqu'un un jour les a fait ou n'en a pas tenu compte. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, ben,